sucré. Bonsoir, chers téléspectateurs, je suis la Célo de Tout le Pleu. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré. Je vous ai toujours dit avec l'émission Gourmet Sucré. Si vous avez vu qu'aujourd'hui, je suis seule ce soir, c'est pour profiter pour vous donner aussi des conseils. Une mère doit souvent donner des conseils à ses enfants. Il n'a pas forcément besoin que je sois avec les invités aujourd'hui. J'ai décidé de venir toute seule aujourd'hui pour vous parler. Donc, je vais commencer pour dire, écoutez-moi attentivement, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les doigts ne se ressemblent pas. Si tu as ta sœur qui est mariée, fais-toi très contente. Mais si tu as une amie qui est mariée aussi, fais-toi très contente. Parce que la jalousie, la haine, là, ça ne sert à rien. Et dans le foyer, souvent, vous voyez les deux couples pour rien comme ça, ils font des histoires, ils cassent tout, monsieur ne cherche même pas à rentrer. Si ce n'est pas le Messie, ce n'est pas normal. Parce qu'un homme doit comprendre aussi pourquoi il doit connaître sa femme. Parce que le début, c'est très important. Il faut connaître ta femme. Il y en a qui ne connaissent même pas leur femme. Quand il y a des, surtout quand il y a les invités, c'est là qu'ils cherchent à honnir sa femme. Ce n'est pas bon. Et la femme aussi, quand elle voit que le monsieur a de la visite, c'est là qu'elle cherche à montrer que c'est elle qui est la femme de la maison. Aussi, ce n'est pas bon. Respectez-vous. Les hommes, il y a des temps, souvent, tu peux prendre ta femme. Ah, ma femme, ce soir, on va à la plage. Ou bien, on va dans un restaurant, on va se distraire. Ce n'est pas forcément, c'est toi l'homme seulement qui te promène jusqu'à un peu tu rentres. C'est une femme, c'est ta sœur. Bien vrai, vous avez des enfants. On peut même prendre même les enfants en couple et puis aller se promener quelque part. Mais dis pas que non, elle a les enfants à la maison, elle doit rester à la maison. Non, ça ne se fait pas. Tu vis avec ta femme. Le jour que tu n'as pas le temps, tu peux dire, madame, aujourd'hui, les enfants, excusez-moi, maman et moi, on va aller se promener. On peut se promener avec sa femme. Mais il y a des hommes habillés ici, ils sont mariés, mais personne ne sait qu'ils sont mariés. On ne sait pas qu'il est marié. Parce qu'on ne te voit jamais, hein, madame. Mais il y a des réunions même, on ne te voit jamais, hey, madame. Tu vas aller, toi, ce que tu fais, à vivre. Mais, hey, madame, madame aussi, elle a envie d'aller, elle a envie de sortir. Elle est obligée, au lieu d'aller se promener, elle est obligée souvent d'aller chez les voisins, alors que c'est des trucs que tu n'aimes pas. Les palabres qui se passent comme ça pour rien, là, si ce n'est pas mystique, ce n'est pas normal. Parce que quand l'homme voit que toi, la femme, tu dois quand même sauver la vie de ton mari, ils sont les vous embrouillent, mais tu as du tapage pour que vous vous détestez. Mais parce qu'ils savent que si toi, on t'en est pas à côté, ils ne peuvent pas atteindre l'enfant. Mais sinon, si ce n'est pas ça, à part la parole de Dieu qui vous a encouragé ensemble, là, personne ne va vous séparer. Quand Dieu dit que c'est pour toi, là, c'est pour toi. Vous allez beau faire. Vous ne pourrez jamais vous laisser. Ça, ça fait déjà deux. La deuxième question que je dois encore poser, je dois vous donner des conseils. Si ton mari a fait enfant dehors, que tu as appris, tu vas poliment à... Chérie, j'ai appris que tu as fait un enfant dehors. S'il fait du tapage... Toi, ta meilleure solution, tu dis, moi, tout ce que je veux, tu peux venir avec l'enfant à la maison. Parce que l'enfant n'a rien à voir. Voilà ses soeurs qui sont à la maison, voici ses frères. Donne-lui le courage qu'il amène l'enfant dehors. Il en a dehors qu'il amène à la maison. Mais si tu dis, non, l'enfant ne rentre pas. L'enfant comme ça. Mais il y a des enfants aussi, ils sont dehors. Mais maman aussi qui a fait enfant avec eux, là. Elle aussi son cœur, là. Parce qu'elle veut prendre le foyer. Donc, elle est obligée de pousser son enfant pour venir faire le tapage. Ou bien souvent, elle va prouver aux gens que mon enfant aussi va rentrer te faire du tapage. Le tapage, là, tu es venu trouver une personne. Elle a déjà fait ses enfants. C'est parce que l'homme est sorti. Tu pouvais même enlever la grossesse. Tu n'as pas pu enlever la grossesse. Tu as gardé. Il a reconnu que l'enfant, c'est à lui. Mais si tu veux pousser ton enfant pour venir déranger la maison, je pense que ma fille sait que l'enfant ne va pas rentrer. Parce qu'il y a une manière qu'on peut emmener l'enfant à la maison. Il y a une manière de le faire. Parce que si ton enfant à la maison, qui a un enfant dehors, que le monsieur t'a dit qu'il est marié. Il n'a pas dit qu'il n'est pas célibataire. Ceux qui vous montrent que non, je ne suis pas marié, un vieux qui dit qu'il n'est pas marié, ne croyez pas à ça. Il a au moins une amie. Donc s'il vient vers toi, que Dieu a fait que vous avez eu un enfant, ça c'est Dieu qui donne ça. Mais il ne faut pas prendre cette occasion-là pour faire du tapage, pour dire non, comment si j'ai fait en maison, je rabe ce droit. Ton droit, tu ne peux pas avoir ça comme ça. On reconnaît l'enfant, mais toi, on ne te reconnaît pas. Parce qu'il est marié, il vit avec sa femme. Donc si vous êtes dans des foyers, les jalousies là, parce que ma copine est comme ça aujourd'hui, elle a marié directeur, elle est ceci, cela. Moi, ça me fait mal. C'est la sorcellerie. Maudit à vous. Les doigts de ces deux enfants. Si ta copine a eu directeur ou bien elle a eu DG, c'est pour ça que toi, ça va te faire mal au corps. C'est la sorcellerie. Tu vois, des fois, moi, quand elle passe, elle m'énerve. Et regarde-moi, c'est elle qui marie un directeur et moi. Il faut chercher pour toi. Cherche pour toi-même. On ne force pas. Quand tu as la haine dans le cœur, là, tu as un mauvais cœur, là, Dieu ne peut jamais t'aider. Parce que le cœur que tu as, si tu ne changes pas, tu vas toujours traîner. Et encore, les jeunes filles qui sont dehors, qui ne veulent pas se marier, qui s'en font les mougoupans dans les foyers des autres là, vos mougoupans là, arrêtez ça. Ça n'est pas normal que vous faites ça.
Si Dieu ne t'a pas donné pour toi, ce n'est pas la peine d'aller salir le foyer de ta camarade. Ce n'est pas la peine d'aller salir le foyer de ta camarade. Tu ne vas pas marier le monsieur, mais tu vas aller faire des médicaments ici, mais ici, pourquoi l'autre va faire par là pour laisser sa femme? Quand ils se sont croisés, ce n'est pas faire des médicaments. En amour, il n'y a même pas de médicaments. Quand c'est écrit, c'est écrit. Il n'y a pas de médicaments dans ça. Quand c'est écrit, aujourd'hui que c'est écrit. Il n'y a pas de médicaments. Parce qu'aujourd'hui, parce que l'autre a reçu, je vais faire aussi pour prendre le foyer. Tout ce temps-là, toi, tu brilles, tu as du diamant. D'après toi, on peut te prendre. Tu brilles. Pourquoi depuis, on ne te ramasse pas? Diamant qui est sûr, puis on ne prend pas. C'est que c'est un diamant qui est rempli de crapauds. On ne peut pas te prendre. Parce que ton comportement, vous faites semblant. Moi, là, si on me prend, là, je suis gentil, tu n'es pas gentil. Si tu étais gentil, tu allais rester dans un foyer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce soir, j'ai préféré quand même vous donner un peu des conseils. C'est que moi aussi, j'ai vécu. L'argent, je pense que l'argent dans la vie, si l'homme a l'argent, on ne sent pas. Mais quand la femme a l'argent, dans le foyer, tout le monde est au courant qu'elle a l'argent. Est-ce que tu vois? Donc, si tu as de l'argent, l'argent, c'est fait pour la famille. L'argent que tu as là, c'est pour la famille. Est-ce que tu vois? Tu ne peux pas avoir l'argent, puis ton mari va avoir un problème d'argent, puis tu ne vas pas le soutenir. Parce qu'à son tour, quand il avait l'argent aussi, il t'aidait. Et la femme, c'est quoi? C'est pas parce qu'aujourd'hui que tu as eu un peu dans le foyer, et à chaque fois quand tu as payé une ampoule, tout le pays sera au courant que c'est toi qui fais tout. Quand tu as fait ça, non, maintenant, là, mon mari me fatigue, mais quand il veut sortir, tant que je n'ai pas fait ça, il ne fait pas ça. Mais quand le gaz est fini, il y a des femmes aujourd'hui, mais quand le gaz est fini, elle va attendre l'homme d'abord. Tant qu'il n'a pas venu charger, mais ma chérie, il faut charger ton gaz. Il faut charger, parce que les enfants sont à la maison. La famille, quelqu'un va venir tout à l'heure, le gaz n'est pas là, tu as déposé quelque chose depuis, c'est fini, parce que monsieur n'est pas venu donner l'argent, tu ne vas pas le faire. Ça ne se fait pas. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, c'est les deux mains qui se lavent. Moi, je prends exemple sur moi. Mon mari fut un pilote, M. Nyankouri Abato Rigobert. La seule langue, je ne sais même pas écrire pour dire je vais lire. Mais j'étais en zone 4 avec mon mari, il était pilote, j'étais en zone 4, monsieur venait à la maison, donc pour ne même pas le gêner beaucoup, tu vas demander à la cité, j'ai fait une table où j'ai tressé les femmes, je vendais mes produits cosmétiques. Parce que souvent, l'avion pète, et puis lui, le mois fini, tu te dis, bon, qui est pour la popote? Mais la popote chez nous, les Ivoiriennes, là, en Côte d'Ivoire, ici, c'est pas comme chez les Blancs, où les choses sont calculées. Mais chez nous, si on te donne, les parents ont toujours venu, tu as dit, non, c'est calculé, tu es obligé de faire sortir et puis recevoir la famille. Est-ce que tu as vu? Donc, il y a des familles aussi, souvent, quand ils se disent que, parce que tu es bien, hein, les fils, ça les énerve. Il y a des fois, souvent, quand ils voient que là, tu t'entends, hein, les enfants, ils ne sont pas contents. Mais ce n'est pas normal. La femme doit apprendre à connaître son homme. La femme doit apprendre à connaître son mari. Il sait que dans ses deux jours, il sait que mon mari n'a rien. Elle doit faire. Parce que quand lui-même, il vient du dehors, ou bien il vient du boulot qu'il voit, il voit que le courant, la facture du courant est payée, l'eau est payée. Mais l'amour devient encore plus. Ce n'est pas parce que le monsieur, il est escroc, bien il veut escroquer la femme. Mais il veut voir aussi que celle-là, vraiment, même, elle ne veut pas qu'on dort dans le noir, ou bien elle ne veut pas que quelque chose nous manque. Il y a des femmes aujourd'hui, souvent, ils peuvent se lever comme ça. Ils s'en vont au score, ils font le marché, et puis ils remplissent le frigo. Mais vous, les filles, là, parce qu'aujourd'hui, ou bien tu es sorti avec un homme, il ne t'a pas donné l'argent, il devient ton ennemi. Le corps d'une femme est sacré. On ne vend pas ça. On ne vend pas. Laisse que l'homme te fait, quand l'homme te fait plaisir, tu as ça pour 100 ans. À chaque fois, il va dire, ah, ma chérie, ça va. Viens, vraiment, je t'ai fait un dépôt. Mais quand toi-même, tu demandes, vraiment, c'est décourageant. Quand toi-même, tu dis, bon, moi, je veux que tu me donnes ça. Si tu ne m'as pas donné ça, je ne vais pas aller à toi. Ce n'est pas bien. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Pour vous dire, écoutez mes conseils. Moi, j'ai toujours dit que je dis, je suis la seule loi de tout le peuple. L'homme meurt, mais la parole reste. Et si tu as un mari aussi, qui a un enfant dehors, pas du tapage. Cherche à comprendre, chérie, tu as un enfant. S'il reconnaît, il fait être très contente. Parce qu'au moins, tes enfants auront aussi un demi-frère. Mais en faisant le tapage, la honte va faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Il va même faire rentrer l'enfant sans même te demander pardon parce qu'il dit que c'est pour lui. Tu vas faire comment? La maison, bien vrai, c'est pour vous être marié légalement. Il n'a aucun droit de prendre un enfant dehors pour rentrer dans ton foyer conjugal. Mais souvent, le diable, là, quand il est dans le foyer, on peut faire du n'importe quoi. Donc, vous les femmes, respectez l'homme. J'ai toujours dit respectez l'homme. Il n'y a pas de pauvre homme sur la terre. L'homme n'est jamais pauvre. Mais l'homme, souvent, il fait un peu de recul pour pouvoir mieux sauter. Ce n'est pas tous les jours, ça va chez lui. Mais aujourd'hui, souvent, même, tu peux dire à Marie, ce mois-ci-là, ma femme, mon mari, laisse-moi, je gère la maison. Ce mois-ci, c'est moi, je prends la maison en compte. Vous allez voir que l'amour va toujours monter.
Parce qu'il sait que quand il est dans les discuter, tu es autour de lui. Mais vous, ce n'est pas ça. Quand aujourd'hui le monsieur n'a pas donné, vous le boudez même au lit. Ce qui n'est pas normal. On ne doit pas bouder son mari au lit. C'est une manière de lui dire, va dehors, va dehors, va dehors, va dehors. Quand tu lui dis, va dehors, il y a longtemps, ils l'ont appris devant la porte. Il ne faut pas dire, refuser, quels que soient les problèmes de soucis de ton foyer, à n'importe quelle heure, quand le mari vient vers tout, cédez. Vous devez ouvrir et donnez-lui les paroles qui vont quand même l'arranger. Mais ne cherche pas encore à le sauver la tête. Toute la journée, il est là, il est embrouillé. Il ne sait même pas comment il fait. Il revient encore à la maison, dans sa propre maison. Il est triste, il ne sait pas comment il va se retrouver. Quand on voit souvent qu'il y a des hommes qui ont la tension, c'est une maladie de nerfs. La tension, c'est une maladie qui fait beaucoup réfléchir. La tension, c'est quoi? Quand tu vis avec ta partenaire et elle ne veut pas que tu la touches, tu es obligé, c'est un problème. C'est les nerfs. Nous marchons avec les nerfs, hein. Nous marchons avec les nerfs. Mais quand la tête est dérangée, on voit souvent que l'homme les filme beaucoup. Parce qu'il filme beaucoup, il faut oublier ses soucis. Il filme souvent, il ne se retrouve pas. Il me dit, mais attends, je n'étais pas comme ça. À cause d'une femme aujourd'hui, je vais devenir comme ça, elle va me maltraiter. On ne vous maltraite pas. Donc, les femmes, quand on vous fait comme ça, comprenez. Parce que respectez à votre entourage. Quand il y a un problème qui ne va pas dans ton foyer, ça ne sert à rien d'aller voir la voisine, lui expliquer. Ah, ma voisine, voilà mon mari maintenant, voilà ce qu'il me fait. L'homme, il a erreur d'attendre son nom chez des voisins. Parce qu'il sait qu'il ne cause pas avec eux. Et quand il y a quelque chose, en passant, il sait que tout le monde le regarde parce que madame vient de parler de lui. L'argent, on n'est pas né avec l'argent. On apprend à avoir de l'argent. On apprend à avoir de l'argent. Sinon, personne n'est né avec l'argent. Personne n'est né grand type. Mais nous tous, on est venus sur la terre. Mais il ne faut jamais te dire que pour moi, c'est fini. Chez Dieu, on ne dit pas ça. Nous sommes venus en mission. Tu vas souffrir jusqu'à mais à ton dernier jour. Tu vas voir qu'un matin, tu deviens encore heureux. Tu oublies même que tu as fait la souffrance. Donc, c'est ce que je suis en train de dire à les femmes. Tu es dans le foyer de ta copine. Si tu veux sortir. Mais il y a des soeurs même qui sortent avec le mari de leur soeur. Mais c'est des choses, ce n'est pas bon. Tu sors avec le mari de ta soeur. C'est une manière de salir la famille. Il sort déjà avec ta soeur. Il est marié avec ta soeur. Et toi, parce que l'homme, il peut toujours tenter. Hein. Il suffit que ça, le pain qu'il remis, il veut savoir pourquoi le bas remis. Mais c'est à toi de te maîtriser et chercher pour toi-même. Chercher pour toi-même. Ça ne sert à rien d'aller derrière mari de vos soeurs ou bien prendre la vie de ta soeur, la salir. Salir la vie de ta soeur à son mari. Ma soeur, là, c'est parce que quand tu la prenais là, si tu la connaissais là, c'est une fille, elle était comme ça, elle était comme ça. Arrête d'expliquer tout ça. Si le monsieur l'a déjà gardé aujourd'hui, ça ne te regarde pas. Même le mari qui vit avec ta soeur, il a aussi sa vie privée. Chacun a sa vie privée. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, ils vont te salir. Pourtant, ils ne t'ont jamais vu. Moi, j'étais assis un jour chez moi comme ça, puis il y a un monsieur qui dit, quand les gens passent, celle qui passe à la télé, elle m'énerve tellement. Oh, je n'ai même pas envie. Pourtant, il ne la connaît même pas. Et on lui demande, est-ce que tu la connais? Il dit, non, je ne la connais pas, mais elle m'énerve. Même si c'est pour la tuer en société. Il dit, mais soit tu te fatigues, elle t'énerve, pourtant tu ne la connais pas. Il y a des gens qui ne te connaissent même pas, mais ils te jugent. Ils te jugent, et puis ça serait les dîners de la journée. Il y en a qui sont assis toute la journée pour parler seulement du voisin ou bien des passants. Mais ce temps que tu prends pour passer des gens là, ce temps-là, tu peux aller au moins avoir un contrat de 2 000 chaque soir si tu as ça. Dans le moins, ça te fait tes 60 000. Que de t'asseoir de rentrer dans la vie privée, rentrer dans la vie privée de tes amis, ce n'est pas normal. Donc la seule lors de ce soir, je suis venu là tout seul sur mon émission pour vous parler, pour vous dire, écoutez-moi, ce monde-là, c'est un monde, c'est petit, c'est nous qui agrandissons. Sinon, le monde n'est pas compliqué. Et il y a des femmes qui sont dans le foyer aujourd'hui parce que toi, tu es riche. Tu vas maltraiter ton mari parce qu'il n'avait plus rien. Mais c'est lui qui t'a fabriqué. J'ai vu des hommes aujourd'hui qui ont payé école des femmes de CM2 jusqu'à elles sont devenues des grandes dames. Mais quand elles ont reçu, elles disent le monsieur n'est plus de son genre. C'est, tu n'es pas de mon genre. Quand tu te regardes là-même, toi tu pètes mon genre. Pourtant, quand elle ne faisait rien, elle était à ses côtés. Il lui disait voilà ma femme. Parce que quand l'homme est toujours prêt à aider une femme, l'homme est prêt pour s'occuper de la femme. Quand il l'aime là, il met toute sa vie en jeu. À cause de la femme, souvent, l'homme ne parle pas à sa maman. Parle pas à sa famille, parce qu'on n'aime pas ma femme, moi je ne vous aime pas. Maintenant, pour toi encore que l'homme a tout fait, qu'aujourd'hui tu travailles et au dernier moment, tu es là, tu maltraites le monsieur. Il y a des hommes souvent qui marchent dans la rue, qui parlent tout seuls, ils ne croient pas. Il y a des hommes qui ne croient pas. Donc, quand vous êtes, il y a des femmes qui veulent, quand l'homme veut se marier, il dit à la femme, on va faire comment?
C'est normal qu'il demande, tu donnes combien, je donne combien. C'est un mariage. C'est pas moi qui ai géré tout ça là. Ou bien tu prends la salle, ou bien moi, après le mariage, c'est moi qui reçois les gens. On doit vous demander ça, c'est pas mauvais. Mais dans la vie, souvent, quand le mois finit, ah ma chérie, il faut payer aujourd'hui couramment, je vais payer l'eau. Parce qu'on ne peut pas rester tout dans la maison des gens pour payer. Il faut que nous aussi, un jour, on paye nos maisons. Il faut qu'on paye nos terrains pour que nos enfants aussi restent chez nous. Parce qu'on est venu en monsieur un matin, on va partir. Donc, si toi, tu vis avec ton homme, parce que tu as payé une ampoule, tout le monde sera au courant là. Ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. Respecte ton homme. Il était avec toi, tes amis, tes copines qui viennent auprès de toi là. Femmes, vous les filles qui avaient plein de copines à quitter dedans. Les copines, en ont depuis un son, on ne leur a jamais donné bise. Toi, au moins, chaque soir, au moins, on te doit un peu là, tu ne dis pas Dieu merci. Alors, on ne leur a jamais donné bise. Elle cherche même l'homme pour leur dire bonsoir, chérie, bise là. Elle ne gagne même pas. Mais toi, au moins, chaque soir, ton mari te dit chérie, on peut sortir un peu. Tu penses que ça va lui plaire? Ou bien il vient, il garde la voiture. Alors, chérie, tu te déposes où? La jalousie, ce n'est pas forcément. La sorcellerie, ce n'est pas forcément être dans le noir. En parlant, on sent que tu es jaloux. C'est la jalousie qui provoque la sorcellerie. C'est la jalousie qui provoque la sorcellerie. Tu es là carrément, tu dis, bon, voyez ma copine là-même. Il faut laisser le gars là. Est-ce qu'il est le seul? Il est le seul, il n'y a rien dehors. S'il y avait quelqu'un dehors, toi, tu allais prendre. Il n'y a rien dehors. Moi, si tu me laisses à quelqu'un, on ne va pas te prendre. C'est quand tu es occupé que quelqu'un t'aime. Si tu n'es pas occupé là, l'homme ne peut pas te prendre. L'homme t'aime parce qu'il sait que tu es occupé, il ne va pas payer l'eau. Il ne va pas payer maison. Il fait son mougoupa, tu rentres dans ton foyer lui. Et puis les vrais couillers, c'est les gens qui ne travaillent pas. Tu vois quelqu'un qui fait rien, il te couille propre par rapport à un fonctionnaire. Par exemple, le fonctionnaire n'a pas le temps, demain matin, 6h, il va aller au travail. Il a qu'un mouvement de faire tous ces zigzags là. C'est celui qui n'a rien, lui, il calcule pas son cuillement pour que tout le temps, tu l'appelles pour le noter. Restez tranquille dans vos foyers. Restez dans votre foyer. Il n'y a rien dehors de mes enfants. La seule chose que je parle aujourd'hui, là, je n'ai vécu, je connais. Restez dans votre foyer. Oui, moi, mon mari qui est là, vraiment, quand je suis avec un autre gars, je suis à l'aise. Il y a des fois, tu peux montrer à ton mari. Chérie, tu me permets ce soir que moi je te pipe aussi. Tu peux lui apprendre ça. Ou bien tu me permets ce soir que moi je m'assois sur toi. L'homme adore ça. Il adore qu'on le taquine. Mais c'est toi tous les jours. Ton mari, ce n'est pas un consultant. Pour qu'il voie au moins toi la partie que tu aimes. Hein? Il faut lui apprendre la nouvelle chose. Même si on avait fait 10 ans, 20 ans ensemble. Mais l'amour, on doit toujours renouveler l'amour. L'amour doit être toujours. Ça doit être renouvelable. Mais toi, tu n'es là parce qu'on t'a déjà mougou dehors. Tu es fatigué. Il te presse. Ah! Tu viens de commencer encore, pardon, il fait nuit, il faut diminuer la lumière là. Tu casses le moral d'amour. Tu casses ça. Le savoir parler même à ton homme, donne-lui toujours l'envie de te voir comme s'il venait de te draguer tout de suite. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ce moment parce que la femme, ce n'est pas tricher. Quand elle trouve un gars dehors déjà, toi-même, tu es à la maison, tu vas sentir ça. Parce que la nourriture, on ne respecte plus ça. Le mari qui a l'habitude de manger un foutu, même si la banane est chère, fais un effort. Paye au moins banane 500 francs, tu fais son petit foutu, chérie, voilà ton plat. Mais il vient, tu dis, ah, toi, mais tu connais le machin, ce que tu as donné, ça ne suffit pas. Il y a une manière, vous avez une manière de parler aux hommes qui ne donne pas l'envie de vraiment souvent, il a envie d'aller dehors. Sinon, l'homme, la maison n'est pas dehors. L'homme veut rentrer chez lui. Mais les hommes, aujourd'hui, pour rentrer chez eux à la maison, ils se disent, mais je vais aller à la maison, c'est pour faire les discours. L'Ivarienne ne sait pas traiter la femme. L'Ivarienne ne connaît pas le sens d'amour. Mon mari, là, vraiment, quand il sort avec ses amis, il est là, son mari, il filme, il boit, il fait ceci, cela. Mais il faut qu'il filme un peu pour qu'il se ressaisisse. Parce que s'il veut écouter toi, ton comportement, ils vont croire un matin qu'il allait en prison. Parce qu'il t'a aimé, il ne croyait pas que toi, tu pouvais aussi se faire partager avec une autre personne. Donc, il faut te dire qu'avec la seule loi, c'est des conseils aujourd'hui. Si moi, la seule loi que je vous donne ça, écoutez, ça va vous servir dans vos foyers. Ça va vous servir dans votre vie. Ça va vous servir dans votre entourage. Vos copines qui vont venir dire, ma chérie, moi je suis là. Moi, c'est que toi ton gars fait, moi mon gars fait. Toi ton gars fait pas, pour lui il fait pas ça. Toi ton gars il est là, il te laisse comme ça, puis il t'en va ailleurs là. Chez moi si mon gars me fait dans longtemps, je me suis cherché. Ma chérie, c'est pas une bonne parole. Au contraire, dis à ta copine, si ton mari se promène, laisse-le, il va rentrer à la maison. Si l'homme sort un peu, il faut qu'il sort un peu. Si à la maison, il n'y a pas de bonne causerie, il faut qu'il sort un peu. Il ne va pas tout rester là, puis il va t'écouter. Toutes les choses qui n'existent pas. Quand tu sais que tu ne vas pas coucher à lui, c'est là que tu vas chercher à faire. Oui, l'affaire n'arrive pas. Pour faire parler, pour qu'il va se fâcher. Tu ne veux plus de lui, il faut que tu quittes la maison. Tu t'en vas doucement.
l'amitié va toujours rester. Mais tu n'es plus avec lui, mais toi, tout le temps, tu allais faire des histoires. Tu as fait ceci, cela. C'est pas bon. Maintenant, je vous parle des femmes, surtout des femmes. Il y a des heures du travail. Vous travaillez à partir de 18h à la rigueur. Peut-être si vous avez une séance de travail, mais vous pouvez quand même avertir le monsieur. Ah, ce soir, je ne vais pas rentrer tôt. Mais on ne peut pas rester au travail jusqu'à 1h du matin. Tu es allé en mission. Tu es habillé ici, puis tu es au travail jusqu'à 1h du matin. Et toi qui rentres encore, tu ne veux même pas encore qu'on te touche. Tu rentres encore, tu ne veux même pas dire bonsoir à qui que ce soit. Dès que tu quittes la douche, directement, tu t'en rends te coucher. Sans savoir si le monsieur, il est bien rentré aussi, si il, vraiment, le travail où il est quitté, ça va bien. Ce n'est pas bien. Et l'homme aussi, tu vas au travail, tu restes là-bas. Jusqu'à souvent même, tu fais 2 jours avant de rentrer. Les 2 jours que tu as fait là, tu n'appelles pas à la maison. Et à la maison, c'est comment? Ma femme va bien, ou bien les enfants vont bien. Les femmes qui vous blaguent dehors là, tu ne vas pas les garder. Tu connais déjà ta chose. C'est mieux de rester avec ça. Si on peut dire non, c'est que Dieu est mieux que l'autre, rien n'est mieux que quelqu'un. Que quelqu'un pardonné. Personne. Parce que si Dieu était mieux, tu n'allais pas la trouver. C'est parce qu'elle est comme ça, c'est pour ça que tu allais tomber sur elle. Si elle est bonne femme, c'est celle qui a déjà fait enfant à toi, qui a vécu avec toi. Qu'elle vit avec toi. Mais vous êtes dans le foyer, vous allez au travail, ton patron même, il sait que tu es, vous êtes marié. Et vous êtes au travail là-bas jusqu'à 1h du matin. On ne sait pas si tu es madame des patrons, ou bien, parce que j'ai remarqué, il y a des services souvent quand tu vois la dame, la secrétaire, mais la dame du travail, soit elle le patron, toi tu vas le déposer même, dis que tu vas croiser le patron, et tu ne peux pas. Après, si c'est un homme, mais si c'est une femme, elle te regarde, toi-même tu es belle par rapport à elle, ah madame, s'il te plaît, est-ce que vous avez les questions que toi-même tu ne peux jamais répondre. Rentrez dans la maison, venez dans vos foyers, c'est très important. Il n'y a rien de tel quand une femme est mariée. Il n'y a rien de tel quand une femme est dans sa vie. Mais une femme sans mari, ce n'est pas joli à voir. Hein? Les femmes aujourd'hui, moi où je suis là, moi mon type là, quand je lui dis ça, ce que moi je lui passe, c'est ce qu'il va faire. Toi, tu ne peux pas gérer la vie d'un homme. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Le capitaine, c'est l'homme. C'est lui ton mari. Et c'est le mari qui gère. Quel que soit son âge, qu'il soit petit, qu'il soit grand. Homme, c'est lui qui gère tout. Ce n'est pas toi qui vas gérer la vie de ton mari. Il n'y a rien de tel quand la femme, l'homme commande sa femme, que la femme dit, chérie, j'ai compris. Mais vous voulez gérer, vous voulez montrer que c'est vous qui êtes la maison. Non. Tu as tes millions même devant un homme, même s'il ne travaille pas, mais c'est lui le roi. Les hommes qui se laissent maltraiter par les femmes, qui lavent les slips des femmes, qui font le marché des femmes, c'est des crochards. C'est des hommes crochards. Un homme, quel que soit comment tu es, il faut être fidèle à toi-même. Il faut prendre exemple sur ta famille. Tu es né d'une femme, d'une mère ou un père. Mais tu ne vas pas te mettre là, jouer parce que la femme a l'argent. Tu vas jouer crochariat derrière cette femme. Tu es là, c'est toi qui nettoies la maison. C'est toi parce que tu as besoin d'argent. Il n'y a pas de pauvre. Un jour pour toi va venir. Mais il faut être dur. Quelque chose tu vas gagner. Tous les travailleurs de cette télévision, je leur dis beaucoup merci. Sans oublier vraiment M. Mamadou Germain qui m'a toujours dit, la seule heure, un matin ça va aller. Rien n'est tard. Il ne faut pas dire, est-ce que moi j'ai devenu quelqu'un? Jamais. Chez Dieu, il ne faut jamais parler de jamais. On ne fait pas de concurrence avec Dieu. Il sait pourquoi il t'a mis là. Il faut que tu souffres pour que tu fasses des témoignages. Si tu ne souffres pas, tu vas aller à l'église, tu vas parler de quoi? Ah, avant j'étais devenu quoi? Mais aujourd'hui, voilà ça. Mais vous les femmes là, parce que vous, quand on vous donne petite occasion, c'est fini. Il y a des femmes aujourd'hui, ça fait 6 ans. 6 ans. Il y a un monsieur qui a témoigné, ça fait 6 ans. Ma femme et moi, on ne couche pas. Il dit, mais comment ça? Et 6 ans, comment toi tu fais? Il dit, ah, 6 ans, je me cherche dehors. Peut-être elle aussi, elle se cherche. Le soir, on se croise. On est couché dans le même lit. Elle prépare, je mange. Quand elle a des problèmes dans sa famille, moi, je règle. Il dit, mais ça, ce n'est plus l'amour, c'est un règlement de compte. Ça, c'est un règlement de compte. Parce que matin comme ça, ou bien décider, tu as fait quoi qu'il a marqué, tu n'as qu'à appeler la femme. Il dit, j'ai appelé plus de 100 000 fois. Mais elle reste comme ça. Il y a un médicament de femme là. Quand elle ne veut pas donner, prends copine à côté. C'est un médicament de femme ça. C'est là, après que tu as copine là. Tu n'arrives même pas à être dans la première à jeter caleçon là.
C'est parce qu'elle sait que tu n'as pas copine. C'est parce qu'elle sait que c'est juste elle seule qui compte. C'est parce qu'elle ne veut, veut pas coucher avec toi. Donc, je voulais dire aussi aux hommes, à les hommes, je vous supporte, je suis votre avocate. Mais je vous supporte, je ne veux pas. Pourquoi je vous supporte? Je ne veux pas que vous divorciez. C'est pour ça que je tiens toujours aux hommes pour ne pas laisser mes filles. Mais quand même, il n'y a rien de tel. Quand tu as un jour ouvrable, madame, tu vas te promener avec elle un peu. Madame ne sort pas. Toi, tu t'en fais tes mougoupans là. Tu viens, tu es assis à la maison. On ne te demande même pas. Dès que tu rentres, tu finis de réaliser la trésor, tu es couché. Mais sors un peu avec ta femme. Et souvent, tu trouves un mec qui dit, bon, ce que tu as porté, il ne faut pas changer, il faut tout rester dedans. Alors qu'au dehors, là-bas, toujours, elle change les mini. Elle a des petites culottes. Mais pourquoi, celle que tu as aimée aussi, tu as mis chez toi, là, tu ne veux pas qu'elle change? Tu penses que c'est bien, mon fils? Il faut la mettre aussi à l'aise. Tu peux aller en l'envoyant au café comme ça, vous êtes assis, l'air vous tape plein dans les jardins, vous causez, vous riez un peu. Ça fait, vraiment, c'est un peu relax, quoi. Mais tu ne veux même pas sortir avec elle. Et toi, tu t'en te faire le gourou dehors et à la maison. Mandant même souvent même pour avoir mèche même pour se... Tellement que tu ne sois pas qu'elle est de couleur même de t'entretenir. Et même pour la présenter à tes amis, tu as honte. Faut t'asseoir là. On va partir après. Écoutez, elle n'est pas là pour garder toi ta maison là. Vous cherchez des gardiens. Jeune fille là. Vous devez être dehors. Mais il ne faut pas la garder dans la maison. Puis toi, tu allais faire la belle vie. Tu es là. Tu as des grosses chaînes au cou comme si tu étais chaîne hébergée là. Tu es là, tu ne veux même pas coucher même aussi avec elle. Pour coucher avec ta propre femme, on va faire réunion. Madame, si il refuse de coucher avec toi, la meilleure solution, moi je te donne une seule phase. Tu vois qu'il est, il est couché sur le dos, mais quoi? Tu lui fais une pipe léger à la glace. Parce qu'entre les testicules et la pine, il y a un petit train, on appelle ça la guitare des hommes. Parce que quand il va glisser ça là, il va te dire, bon non, celle-là elle n'a pas la maison pour rien. Vous pensez que celles qui sont à la maison, elles ne peuvent rien faire. On peut faire quelque chose. Quand on me parle, on me dit que non, la seule loi est âgée. Moi, je sais que je suis âgée, mais je suis encore opérationnelle. C'est parce que je respecte mon corps. Aussi, la femme, de temps en temps, il faut proposer aussi l'amour à ton partenaire. Parce que c'est vous aussi qui ne donnez pas l'envie à ces personnes-là. Parce que ton mari, tu es là, toujours c'est lui qui va te dire pousse ici. C'est lui qui va te dire fais ceci, cela. Mais moi, mon mari, Nyakou, il me connaît. On est parti chez les guéviers. Ils sont en train de faire, il y a longtemps, ma mère, dans son cas, ils sont. C'est pendant mais c'est quelle réunion ça? Il dit, non, c'est ça, c'est bon réunion, mais on n'a même pas terminé la réunion. C'est de ça il s'agit. Il ne faut pas attendre toujours pour dire non, comme les enfants dorment, ou bien on n'a qu'à attendre la lumière. L'amour ne se fait pas dans le noir. Regardez-vous, yeux dans yeux, fa. On se regarde yeux dans yeux, et puis tu fais l'amour à quelqu'un. Là, tu ne sors pas avec ta femme. Vous ne sortez pas. C'est toi ce qui fait le tour d'Abidjan. Quand tu es fatigué, tu rentres à des heures juste. Un homme en principe qui vit dans son foyer ne doit pas rentrer chez lui à 1h du matin. Peut-être si tu es en mission. À 2h du matin, tu frappes. Le voisin, c'est qui? Ah, c'est le voisin. Mon fils, il faut quitter dedans. À partir de 18h, 19h, tu rentres chez toi à la maison, tu es responsable. Il faut aller voir l'avenir de ceux que tu as mis à terre. Mais tu ne vas pas rester au dehors jusqu'à tu es dans le bar. Tu vas rentrer jusqu'à 2h, 3h. Madame va parler. Souvent, si elle n'a pas de chance. Tu vois souvent les femmes de psychologie qui ont les dents cassées à côté. C'est coup de tête. Parce que le monsieur dit, pourquoi lui pose la question devant les gens? Donc, nous devons vous dire qu'on va arrêter. C'est ce que j'ai décidé aujourd'hui, être seul, pour vous donner des conseils. Écoutez-moi. Monsieur, mesdames, sortez de temps en temps avec madame, avec les enfants, même si pas elle les enfants, parce que les enfants ne vont pas monter les voitures, descendre. Mais il faut prendre ta femme. Pour lui dire que l'amour, là, ce n'est pas forcément dans la maison. Tu peux te promener un peu avec elle. Et les femmes aussi, souvent, quand tu fais du bien à un homme, arrête d'en parler à tes voisins. Moi, aujourd'hui, maintenant, là, c'est moi qui cherche gaz. Maintenant, c'est moi qui donne les ampoules. Maintenant, c'est moi qui fais ça. Souvent, si ça décourage, ça casse un peu le moral d'amour. Donc, c'est ce que la seule loi voulait vous dire. Pour vous dire, écoutez-moi attentivement. Ça, c'est un conseil d'une mère pour dire à ses enfants, ne faites pas ça, faites ça pour que le monde puisse vraiment aller à l'avance. Bonsoir.